conclave de la CENIT avec les membres de la communauté internationale s'est achevé aujourd'hui au centre de conférence internationale avec la détermination du calendrier électoral définitif. Par conséquent, prenant acte des difficultés opérationnelles et des délais légaux minimums prescrits par le Code électoral, la CENIT et les représentants des Nations Unies ont adopté le calendrier actualisé pour la tenue des prochaines consultations électorales. Il a été fixé que le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 24 juillet 2013, dont le deuxième tour sera couplé aux élections législatives le 25 septembre 2013. Et enfin, les élections communales et municipales se tiendront le 23 octobre 2013. Concernant la révision systématique de la liste électorale, les participants, tout en félicitant la CENIT pour les résultats appréciables obtenus, ont constaté un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles les retards dans le déblocage des fonds nécessaires aux opérations, mais aussi les retards dans le déploiement et la collecte des carnets de recensement du fait de leur production tardive et de l'enclavement de certaines localités. Au sujet de la situation des financements du processus électoral, les participants se sont félicités des engagements exprimés et des contributions déjà reçues du gouvernement malgache, de l'Union européenne, du programme des Nations Unies pour le développement, de la Norvège et de la Suisse. La Suisse, les États-Unis, la République de l'Afrique du Sud, la France et l'Indonésie. La grande famille de la CENIT n'a pas été en reste et j'ai sincèrement apprécié le pragmatisme dont chacun a su faire preuve. Les débats ont été francs et les échanges ont porté sur des sujets très sensibles qui touchent le processus électoral dans les détails, l'opinion publique ainsi que la vie de la nation malgache. Toujours dans ce cadre, la présidente de la CENIT, Atala Béatrice, invite les partenaires internationaux et le gouvernement malgache qui se sont engagés au financement du processus électoral à verser la totalité de leurs contributions dans les meilleurs délais. Rappelons que le calendrier électoral initial ainsi que l'ordre actuel des scrutins avaient recueilli le consensus de la CENIT et des Nations Unies, conformément aux dispositions du paragraphe 10 de la feuille de route de sortie de la crise à Madagascar. Le conclave réitère la décision rendue publique le 1er août 2012 sur la séquence des scrutins.